regarde, c'est quoi ça? Je sais pas, faudrait l'ouvrir, non? Attends, vite, on le prend chez nous, ok? Ok. On part, faut pas rester ici, c'est louche de trouver ça comme ça. Salut! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Allez vite, Lily Rose. Allez. Par là, vite. Oh punaise, j'ai encore des menottes. Non, vite, Lily Rose, par ici. Allez. Par ici. Ah, c'est bon, j'espère qu'il va plus nous voir là. Ouais. Je pense qu'on l'a semé. Vas-y, enlève-moi ça. Oh punaise. Ok. Bon, allez, hop, attends. Bon, allez. C'est bon. Ah, mais je vais les garder là. Ces menottes, elles sont vraiment pas résistantes. Ouais. Cache-toi par là, okay. Cache-toi par là. Okay. J'espère qu'il nous a pas vu partir comme ça. S'il nous rattrape, on va encore finir dans cette prison là. Allez, hop, c'est parti. Vas-y, allez. Cache-toi. Okay, cache-toi, vite, dépêche-toi. Allez, viens, dépêche-toi. Attention aux orties. Okay. Viens. Allez, viens, dépêche-toi. Ah. Je devrais appeler Peppa Pink pour lui dire où on est. Quoi? Regarde! Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, vas-y, baisse-toi. Il faut pas qu'il nous voit. Je sais pas s'il nous poursuit encore. Mais c'est trop bizarre ce truc. Ah, c'est super lourd. Ah. Ça pèse une tonne. Il y a un code. Regarde, il y a un code. C'est un coffre-fort. En général, c'est des trucs. On cache des trucs de valeur à l'intérieur. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, faudrait l'ouvrir, non? Attends, vite. On le prend chez nous, ok? Ok. On part. Faut pas rester ici, c'est louche de trouver ça comme ça. Allez viens. On se dépêche. Dépêche-toi. Attention aux orties. Ok. Allez, dépêche-toi. C'est bizarre de trouver ça comme ça. Ouais, habituellement, les gens ils cachent de l'argent, des bijoux à l'intérieur. Oui. Ils sont pas censés laisser ça traîner comme ça ici. Attends. Avant de partir. Je vais appeler Peppa Pink, notre père là, comme ça, il va venir nous chercher au bord de la route et on sera pas obligé de rentrer tout ça à pied. Parce que je sais pas si tu l'as pesé, vas-y, mais ça pèse une tonne, ça doit être rempli de trucs. Allô Peppa Pink? Allô? C'est bizarre, il répond pas. Il répond pas? Bon, vas-y, j'ai un mauvais pressentiment, on devrait partir d'ici là. Ok. Allez, dépêche-toi, j'ai peur qu'il nous poursuive là, l'autre fou. Allez. C'est pas toi qui as dû porter ça sur 5 km parce qu'on n'a pas voulu venir nous chercher. Allez, voilà. Hop. Je sais même pas comment ouvrir ce truc horrible là. Moi non plus, je sais pas. Allez, ouvre-toi. Non, on va pas tenter des codes là au hasard comme ça. Je vais regarder sur internet s'il y a des techniques pour ouvrir les coffres. Ouais, t'as raison. J'ai pas envie de passer tout mon temps sur ça. Attends, c'est bien ce coffre là? Tu le reconnais? Mais oui, c'est lui. Attends, c'est trop bizarre que ça soit sur la première page internet comme ça. Ouais, vraiment. Recherche ce coffre. Ce coffre a été perdu. C'est trop bizarre qu'il soit ici. Quoi? Pourquoi on l'a trouvé? Je sais pas. C'est pas grave, il faut le rapporter. Mais on devrait regarder ce qu'il y a à l'intérieur, non? Ouais, t'as raison, mais il faut réussir à trouver le code, sinon... Attends, si vous échouez 3 fois à trouver le code, le contenu du coffre sera supprimé, sera détruit automatiquement. Mais... Ça veut dire que si on fait 3 erreurs de code, tout ce qu'il y a à l'intérieur est détruit. Au pire, c'est pas grave si on fait 3 erreurs. Ouais, bon, allez, on devrait essayer. Bon, allez, on va essayer des codes au hasard. On va commencer avec 3 zéros. Allez, 1, 2, 3. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, allez, on va en faire un deuxième. Bah, je compte sur toi. Maintenant, il reste plus que 2 essais avant que tout soit perdu pour toujours. Et ça serait dommage parce que si à l'intérieur il y a plein de trucs trop cool, des bijoux et tout, on pourra s'acheter des iPhones. Bon, qu'est-ce que je pourrais essayer? Bon allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est ça? Non, c'est toujours pas ça, il nous reste plus qu'un essai. Bon bah, c'est à moi de le faire, le dernier essai. Je sais pas quoi faire. T'as déjà essayé 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. La plupart des gens, ils mettent quoi? 1, 2, 3. Allez, je vais essayer ça de toute façon au point où on en est. C'est soit on n'arrivera jamais à l'ouvrir ou soit tout va disparaître. Donc autant essayer un dernier code. Ok, vas-y, moi je m'éloigne un petit peu hein. Bah souhaite-moi bonne chance. Parce que si je me trompe, si c'est pas ça, c'est fini pour ce coffre. Bon, au moins ça nous aura fait rigoler. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, étoile. Oh, Lily Rose, regarde, je pense que c'est le bon code. Allez, viens regarder, Lily Rose. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Attends, il y a un portefeuille. Mais c'est vide, rien. Ce truc. Attends, des cartes Pokémon. Mais c'est même pas des rares, c'est des vieilles cartes Pokémon. Ok, une bague. Ok. Un téléphone.
Mais c'est un vieil iPhone. C'est même pas un iPhone 12. Je sais même pas si s'il fonctionne. Ouais, bah on n'a pas eu énormément de chance. Je sais pas pourquoi tout le monde le recherche sur internet. Oh là là. Bon, peut-être que cette bague, elle sert à quelque chose. Ou peut-être qu'elle est extrêmement rare. Bon, en tout cas, elle me va très bien. Ouh. Bon, au moins on aura bien rigolé, hein. Oui. Je pensais pas trouver le code comme ça. Ah, Esteban et Lirose, vous êtes là. Ça fait 2 heures que je vous cherche. Où étiez-vous? Je vous cherchais partout. Ah bah c'est bon, excuse-nous, là on s'est fait poursuivre par quelqu'un qui voulait nous mettre dans sa prison en carton là. Très bizarre. Et il m'a mis des menottes qui étaient nulles en plus, elles sont cassées. Ouais. Mais bon, sur le chemin on a trouvé un coffre-fort et regarde ce qu'il y avait à l'intérieur, une super bague. Au moins on n'a pas fait ça pour rien. Oui. Regarde. Punaise, Lirose, il est passé où le coffre-fort? Mais... il reste des trucs qu'il y avait à l'intérieur, mais... il est où? Arrêtez de me raconter n'importe quoi, un coffre-fort. Mais Peppa Pig, je te jure qu'il y avait un coffre-fort. Mais c'était quand t'as mis cette bague qui s'est passé ça? Depuis que j'ai mis cette bague, il est parti. Ouais. N'importe quoi, vous avez juste voulu vous enfuir et puis c'est tout. Mais si, crois-nous, là. Mais c'est à cause de cette bague, je sais pas. Mais oui, elle est trop bizarre en plus. C'est peut-être pour ça que c'était recherché sur internet. Ouais. À mon avis, ça doit pas être pour rien. Une bague. Je pensais que c'était que des trucs sans valeur là, une carte Pokémon, un vieux téléphone. Ouais, elle sert à rien. Mais à mon avis, le vrai objet important c'était la bague. Ou peut-être même le téléphone, on devrait regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois pas qu'il marche. Ouais, bah il a plus de batterie en tout cas. On devrait peut-être le brancher à un ordinateur. Oui. Bon allez, on devrait enquêter. D'ailleurs, je vais me renseigner sur internet. Ok. Il n'y a rien de plus hein, que cet article qui dit recherchez ce coffre. Si vous trouvez ce coffre, amenez-le nous. Attends, c'est sur quel site? Magique.com. C'est quoi ce site? Attends, les gens ils parlent de trucs magiques. Si vous trouvez ce coffre et que vous arrivez à l'ouvrir, n'utilisez surtout pas les objets qui sont à l'intérieur. N'importe quoi. Il dit ça pour qu'on le rende, c'est tout. Ouais, allez, c'est parti. On va regarder ce qu'il y a sur ce téléphone. Ouais. Allez, dépêche-toi, Lily Rose. On y va. Ok. Je vais brancher ce petit téléphone et j'espère que je vais trouver quelque chose. Ouais, moi aussi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui apparaît sur l'ordinateur? Carte secrète. Carte secrète. C'est quoi ce Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y, clique dessus. C'est bon. Ça apparaît. Oh mince. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Carte ultra secrète, ne pas montrer. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Il y a un point rouge? Ouais, il y a une croix rouge. C'est comme pour les trésors là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, mais ça pointe un endroit à côté de chez nous ça. Mais ouais. C'est pas très précis. C'est où? C'est dans la forêt à côté de chez nous là, dans la citadelle. Ah mais oui. Allez, attends, faudrait peut-être qu'on prévienne Peppa Pig qu'il faudrait y aller. Peppa Pig, on a trouvé quelque chose. Allez, viens. Par contre, le téléphone fonctionne toujours pas. Oh. Mince, attends, je vais prendre en photo. Prendre en photo l'endroit. Et on va y aller au plus possible. Vas-y, descends. C'est vraiment bizarre ça, qu'on trouve ça sur le téléphone comme ça. Il faut vraiment y aller. C'est bizarre que ça soit caché dans un coffre-fort qu'on trouve comme ça. Carte secrète, ne pas montrer. Ça me donne très envie d'y aller. Ça tombe là-bas, il y a un coffre-fort encore mieux. Avec des vraies choses à l'intérieur. Trop bien.